qui montrent l'imaginaire des enfants. Et donc, pour reproduire cet imaginaire, parfois, il y a des expressions qu'on ne peut pas trouver dans la langue française. Et donc, on est obligé de faire appel à l'expression dialectale, au marocain, etc. Et donc, mais il faut simplement être lucide pour ne pas appesantir un petit peu, pour ne pas alourdir le texte avec beaucoup d'expressions. Donc, il faut vraiment mettre des expressions ici et là, simplement pour dire que c'est un enfant qui est illettré, qui ne sait pas lire et écrire, et donc il commence par mélanger le français, le dialecte, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, pour les personnes qui ont déjà lu le roman, il y aura moins de dialecte et plus de français. J'ai voulu tout simplement faire passer l'idée que l'apprentissage de la langue se voit dans l'apprentissage de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, plus on apprend la vie, plus on perd de son innocence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je te souhaite de ne jamais perdre ton innocence.